Alors, nous voilà arrivés à l'hôtel Guest House. Hello Guest House. Allez, je fais mes petites visites guidées. Bon, l'entrée, bon, faut juste monter à l'étage. Il n'y a pas forcément d'accès pour les handicapés, par exemple, mais bon, voilà. Allez, hall d'entrée plutôt bien soigné, plutôt bien décoré. Il y a des gens qui sont à cheval là-dessus, mais bon, moi je m'en fiche un petit peu. Là-dessus, quelques petites infiltrations, mais c'est pas très très grave ça. On va pas se faire non plus descendre aussi peu. Voilà. Super bon, très soigné, des petites décorations. Un petit, je sais pas comment on appelle ça, vestibule en français. Vestibule tranquille, soigné. Pareil. Décoration simple mais totalement efficace. Petit déjeuner de 7h30 à 9h. Breakfast from 7. After 7 to 9 a.m. Voilà. Le petit déjeuner se prend là-bas. Il y a un bar. On verra un peu plus tard. Alors, la chambre que j'ai moi, c'est celle-ci. Voilà, bienvenue chez moi pour 5 jours. Là. Voilà. Très grande chambre, très très spacieuse, hyper confortable. Voilà. Le lit très bien décoré aussi, comme tout, hein. Voilà, simple, soigné, mais impeccable. Un ventilateur qui souffle un petit peu fort, faut le reconnaître. Mais voilà, mais sinon ça va. Il y a une petite horloge, une télé, on va dire c'est 82 cm, j'imagine, hein. 80 pouces plutôt. Non. 82 cm, désolé, 82 cm, pas 80 pouces. La clim au-dessus, une grande fenêtre. Voilà, je vous laisse regarder. Un petit coin salle à manger, table à manger. Au niveau du lit, tête de lit avec des niches, ce qui est très bien pour ranger des choses. Bon, je suis désolé, je me suis déjà assis un petit peu et allongé un petit peu sur le lit aussi tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu le drame. C'est un petit peu froissé, mais c'est pas bien grave. Hein. Le but, c'est de vous montrer la chambre, la qualité des prestations. Voilà. Ah, vous disposez aussi d'une armoire, une grande armoire d'ailleurs, hein. Une penderie, des étagères. Il y a même un coffre, deux tiroirs en bas. Et la même chose ici, mis à part le coffre, bien évidemment. Quel est l'intérêt d'avoir deux coffres? Aucun. Voilà. Alors maintenant, les sanitaires. Ah, il y a aussi une petite poubelle, ce qui est très bien. Au niveau des sanitaires, voilà, vous entrez donc. Très, très, très spacieuse. La salle de bain, les toilettes sont ici, le lavabo, les serviettes, une petite poubelle, la lumière en haut, décoratif, hyper joli, et la salle de douche, voilà, voilà. Il y a l'eau chaude électrique au-dessus. Voilà. Il y a de quoi se doucher ici et de quoi se laver les mains ici. D'ailleurs, ça sent très bon. Je ne peux pas vous partager l'odeur, mais ça sent très bon. Voilà, une petite niche. Toujours très mignon dans une maison. Peu importe si c'est dans une salle de bain ou dans le salon, mais c'est toujours joli, une niche dans le mur. Voilà, à travers la vitre, on voit le toilette de l'autre côté qui se trouve ici.
Et voilà. Voilà, l'aération fonctionne très bien. Ici, la petite porte pour ventiler, c'est pas mal aussi. Très bien pensé. Voilà. Mais tu peux accrocher les serviettes ou les vêtements. Bon, dans l'ensemble, propreté sur 10, ben, 10. Déco sur 10, toujours 10. Confort, pareil, ben, 10, je pense. Hein. Je me suis allongé un petit peu sur le lit tout à l'heure. C'est un lit à ressort, il me semble. Je suis pas trop fan, mais ça, c'est un goût personnel donc. J'éviterai de donner un avis là-dessus. Chacun ses goûts, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben après, en tant qu'équipement, ben voilà, il y a le Internet fonctionne super bien. Il y a la lumière partout. Il y a, vous avez une petite table à manger là. Un mini salon, on va dire. Une grande armoire. Un mini frigo. Ah ouais, j'ai oublié de vous parler de. Des petits boissons chaudes, une bouilloire, des petits boissons chaudes, un petit chocolat, du sucre derrière, sucre blanc, sucre roux. Voilà, ici des petites pastilles pour avoir à la bouche, des verres. Voilà, tout est nickel. Voilà, ben, en gros, si je dois donner une note globale, on va dire 9,5. Ben bon, c'est très gentil, c'est normal. Voilà, merci à tous. Et petite chose aussi, voilà, ne pas déranger des joueurs en cours. Voilà, je reprends. Alors, ah, j'ai oublié d'allumer la lumière aussi. Voilà, peut-être ça, on verra un peu mieux maintenant. Bon, je suis désolé. Une petite ampoule à échanger, sauf si c'est pour visser. Non, il fallait juste visser, donc voilà. C'est peut-être un client qui a dévissé parce que ça donnait trop de lumière. Bon, ça arrive. Hein. Mais ça, c'est la faute à personne. Voilà, un petit toit 360. Et voilà. Bon, ben il n'y a plus qu'à attendre la chérie arriver. Elle va arriver dans quelques minutes. Je vais voir son message. Je vais aller la chercher à la gare. Et d'ailleurs, je vais aller tout de suite. Hein. Voilà. Salut tout le monde. Allez, on va voir un petit peu en haut. Alors, il y a 9 chambres en haut, d'après si mes souvenirs sont bons. Hein. Et il y en a 3 là où je suis en bas. Waouh, là c'est top aussi là. La déco est nickel. Ah, c'est de l'accueil. Je suis pas passé par là quand je suis arrivé, mais voilà, c'est pas bien grave. En tout cas, là c'est top. En tout cas, moi ce que je trouve, ce qui ressort ici, c'est vraiment ce côté décoratif, simple, joli, beau. Et ça, c'est génial. Surtout pour le prix qu'on paye la nuit. On a vraiment l'impression d'être dans un hôtel étoilé. Pour un tout petit prix.
Voilà. Le but de cette vidéo, c'est surtout de montrer que pas besoin de payer des hôtels hyper chers pour avoir du confort, pour avoir la propreté, pour avoir quelque chose de beau. Regardez-moi ça. Bon, désolé, j'ai oublié de filmer avant. Il y avait donc un farata, une omelette, une salade de gâteau piment que j'ai fini en premier. Et ça, je sais pas trop, il me semble que c'est un beignet. Un beignet banane, c'est vrai, un beignet banane. Une petite salade de fruits, du beurre, de la confiture, du pain. Voilà, vous avez aussi tout ce qu'il faut. Donc, c'est impeccable. Tout à l'heure, je ferai une petite visite de la salle, juste après. Voilà, on va rentrer dans la petite salle, le petit restaurant, on va dire. On prend que le petit déjeuner pour le moment. Voilà, je vais visiter un petit peu, regardez-moi cette déco.